Ce mardi 8 novembre, le centre hospitalier Bar-le-Duc Fainvel a posé la première pierre de ce qui sera bientôt l'extension de la maison d'accueil spécialisée Le Solone sur le site de Fainvel. Notre territoire faisant partie des nombreux déserts médicaux que compte notre pays, cet agrandissement arrive à point nommé. Il permettra une amélioration de la prise en charge et une meilleure qualité de vie des dizaines de résidents concernés. Les équipes médicales espèrent une ouverture des portes dans quelques mois pour la rentrée 2023. Notre MAS, qui accueille des résidents qui sont en situation de polyhandicap avec une pathologie de santé mentale, était devenue inadaptée à une prise en charge correcte en 2022. Donc concrètement, c'est une extension de 50% de la surface de la MAS afin d'avoir davantage de chambres particulières et d'améliorer les lieux de vie communs, comme par exemple la salle polyvalente. C'est une vague d'optimisme déjà, effectivement, pour le secteur hospitalier, puisqu'on voit finalement qu'il y a des choses qui, quand même, effectivement, se mettent en place et qui permettront de renforcer la présence médicale sur le secteur, notamment à Fain, qui a donc une longue tradition avec l'hôpital psychothérapeutique, hein, qui a évolué, bien entendu, donc au fil des ans. Hein, il y a eu des changements, des services nouveaux qui ont été mis en place, l'addictologie, etc. La commune de Fainvel voit en ce projet la possibilité d'agrandir son offre de soins et envisage également de construire une maison médicale ou encore une résidence pour personnes âgées autonomes.